serait pas long. Voilà, ce serait pas long. Je vais juste faire un petit rappel à Charles White et vous lire une lettre. Si j'ai bonne mémoire, mais est-ce que... Oui, je ne l'ai pas ici, je crois bien. Je vais vous lire une note après, dans un autre direct. Une lettre que des éléments de force spéciale ont adressée à Charles White, qui est à la recherche des crimes de sang. Mais... Et je vais enchaîner avec, selon les renseignements français, des renseignements très très précis des services de renseignement français. Capi, comment vas-tu? Une fois, c'est libéré, respect à toi. Tanti Kande, bonjour. Nabintiana Moussouma, bonjour. Siaka, respect, Siaka Mansari. Selon les renseignements français, des informations très très précises que les renseignements ont donné, c'est-à-dire la direction des renseignements extérieurs, la direction générale des renseignements extérieurs, c'est DGR quoi là-bas, j'ai oublié l'abréviation, j'ai oublié. En tout cas, c'est la direction des renseignements français, la direction extérieure des renseignements français, qui l'ont transmis les informations, que le professeur Afakou, son excellence, professeur Fakonde, qui est président de la République, qui n'a pas démissionné. Elle va très bien là à l'école. Qui veut lui faire un coup d'État. Comme vous me prenez souvent là comme un bête, moi je vous ai dit que malheureusement dans notre pays, les gens ne connaissent pas la définition des mots. Moi je ne suis pas professeur de français, hein. Je l'ai dit depuis le départ, je ne suis pas professeur de français, je n'ai pas fait les sciences sociales, j'ai fait les sciences exactes. Merci, oh, voilà mon pote est là, lui, la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs. Merci beaucoup, Mansa Kaluka, Sako. Exactement, c'est ça. Mais vous avez vu, ça me fait rire, quoi. Tu n'es pas un chef d'État, tu n'as pas été élu, tu as fait un coup d'État. Tu as assassiné les gens. Tu n'as pas été mandaté. Et c'est toi qui parles de coup d'État contre toi. Excusez-moi, hein. Peut-être moi je ne comprends pas, mais vous, vous comprenez. On fait un coup d'État, hein? On fait un, merci le précieux, on fait un coup d'État à quelqu'un qui a été élu. Est-ce que c'est ce qui s'est passé au Burkina? Est-ce que c'est un coup d'État? Non, 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 non. C'est lui qui a fait le coup d'État au président Kabore. C'est ce qu'on appelle coup d'État. Mais l'autre là n'est pas un coup d'État. Parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes visions. Celui qui était là a changé de trajectoire. Ses amis qui ont fait le coup d'État avec lui l'ont pris. C'est tout. Mais dans ce cas-là, monsieur Doumbouya, ce n'est pas... Ce que tu ne comprends pas, ce que j'ai envie de te dire... De ne pas perdre mon temps dessus. C'est que tu es trop petit, tu es trop enfant. C'est-à-dire, Braouli Somada, là, un matin comme ça, là, un enfant de 39 ans qui ne connaît pas l'État, qui ne connaît pas la description d'une république, qui ne connaît pas le fondement de base d'une république, se lève un beau matin comme ça, aller s'attaquer à la république. Parce que s'attaquer à un président, c'est s'attaquer à la république. Aujourd'hui, tout le monde est assis et puis te regarde. Comme si la Guinée t'appartient. C'est comme si c'est pour toi la Guinée. C'est-à-dire, Mbamolié, Bessine, tout le monde te regarde. Et puis les gens vont en fonction de tes pas. C'est ce qui ne se fait pas dans les autres pays. Mais oui, c'est la force de l'argent. Oui, tu as fini d'acheter tout ce qui est achetable. Mais tu n'as pas acheté les vraies personnes d'abord. Donc, ce n'est pas un problème de coup d'État. Tu sais que le pays est bloqué. Les autres la font semblant que ça bouge. Ils savent très bien, tes compagnons, tes partisans, tes ministres, tes conseillers, ceux qui sont en train de tenir dans des erreurs. Là, c'est la QAT même, c'est Comara, ton conseiller, sait très bien que le pays est verrouillé, c'est bloqué. Aux États-Unis, c'est là, avant-hier, le mardi et le mercredi, il y a eu le sommet des chefs d'État. Tous les présidents responsables que les Américains veulent écouter, qui ont des projets pour leur pays-là, était aux États-Unis ici, à Maryland, à côté de Washington.
D.C., Maryland, c'est tout juste à côté de Washington. C'est là-bas, c'est tout l'aéroport d'Andrew. Donc, ce n'est pas un... C'est-à-dire, je ne sais pas. Si réellement tu comprends, tous ceux qui sont autour de toi ne t'ont pas défini qu'est-ce qu'une république. Tu ne connais pas une république. Bah, lui, comment vas-tu? Tu t'es levé un beau matin comme ça, là. Tu es parti s'attaquer à une république, à un président, quelles que soient les appellations qu'on lui donne, démocratiquement élu. Tu vas demander à certains militants perdus de l'IFBG, ils vont dire non, parce que j'ai vu un petit dire là-bas là, que s'il y a eu des morts, c'est parce qu'il y a eu un troisième mandat. Je le laisse dans sa conscience un peu confuse, c'est ce que je le dis. Mais avant de d'expliquer trop ce point-là, voilà, je voulais montrer ça, Mariam Gus, comment va-t-il, montrer ça à Charles Wright. Charles Wright, moi, excuse-moi beaucoup Charles, je voulais juste rafraîchir ta mémoire, Charles Wright, de toi à moi là. Ça y est, c'est là, comment va-t-il mon frère et ami, ceux qui connaissent bien. Ceux qui ont un parti politique, ceux qui parlent de la politique, le frère Ablaye Bangoura, Ablaye Kourouma, c'est un jeune frère, Ablaye Kourouma du parti RDD, Ablaye Kourouma qui s'est présenté à l'élection présidentielle, Ablaye Kourouma a dit, tu as vu, lorsqu'on l'a interviewé, Ablaye Kourouma dit que n'importe quel pays sérieux, un pays sérieux, il dit bien un pays sérieux, ne peut pas livrer un chef d'État à une zente, on ne le fait pas. Donc, il faut arrêter de faire du bruit. De toi à moi, là, tu sais très bien qu'on ne peut pas te livrer Alpha Condé. D'abord, vous n'avez pas la légitimité, la légalité, et vous n'êtes même pas dans le droit. Si vous avez vu pour un départ à Abu Dhabi, quand vous avez réclamé Alpha Condé, le ramener, c'est pas parce que les gens ont eu peur de vous. Hein. Haïdo Big Brother, hey, Abu Keita, Mandeman, ça. Me revient. C'est pas parce que ils ont eu peur de vous. Non, 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 ce n'est pas ça. Tu as vu lorsque Alpha Condé est parti dans un pays sérieux, qu'on appelle la Turquie, qui est convoité aujourd'hui, dont un pays craint. Quand il est arrivé en Turquie, lorsque vous avez demandé qu'il vienne, avec tout ce que tu as fait, est-ce que ça a dérangé le président Erdogan? Son seul message, le président Erdogan a posté, il dit: le professeur Alpha Condé est le chef de l'État. Il ne rentrera en Guinée que de son voulu. C'est lorsque lui, il voudra rentrer. Il dit, je veux rentrer. D'ailleurs, pour le permettre de se défouler, de se déplacer, non seulement il a deux véhicules, il a un chauffeur, un cuisinier, il y a ses neveux à côté de lui, il y a tout un protocole autour de lui, et puis un passeport turc, passeport diplôme, ce n'est pas un passeport ordinaire. C'est un passeport diplomatique qu'on lui a donné. Tu comprends? Voilà. Et ce que tu ne sais pas aussi, il a reçu ses documents. Tu es en train de sauter. Je dis et je le confirme. Il a ses documents français avec lui. Mais il ne les utilise pas. Il a reçu ses documents français. C'est que tu ne comprends pas. Mais il ne les utilise pas. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Ablaye Kourouma dit, lorsqu'on lui a posé la question de savoir que le ministre de la Justice veut ramener Alpha Condé pour les crimes de sang, il a été très clair. Il dit, j'ai aimé sa simplicité. Il dit, pour la question là, je ne vais pas perdre mon temps dessus. Vous savez, il a dit aux journalistes, vous savez très bien qu'un État sérieux ne peut pas livrer un chef d'État à une zente. Vous le savez très bien. Il s'est limité là, il n'a pas détaillé. Parce que le journaliste même sait, dans un état sérieux, ne peut pas prendre un chef d'État et remettre à une junte. Pourquoi? Parce qu'une junte n'a pas été élue. Si c'était un président démocratiquement élu qui aimait un mandat d'arrêt, un président démocratiquement élu à la voix du peuple, a été mandaté par le peuple. Donc lui, il a le droit d'émettre. Et puis ça aussi, le procureur de ce pays-là doit regarder votre demande-là, analyser et regarder toutes les notes du pays. Le droit de l'homme, le procureur de ce pays, où se trouve
où se trouve le président en question, le procureur de la République de ce pays-là, doit regarder d'abord le statut, les notes de ce pays, le pays demandeur. Est-ce que le droit de l'homme est respecté? Est-ce que les droits des journalistes sont respectés? Est-ce que il regarde tous les paramètres? Et puis on regarde les indices de ce pays-là avant de livrer le président. C'est tout un protocole. Donc un enfant comme Charles Wright de 30 ans, 32 ans, 33 ans, pense que c'est un problème de claquement de doigts où on va prendre l'enfant, qu'on la mettre dans un avion, le remettre lui-même en personne. Mais pour rafraîchir sa mémoire, je ne vais pas lire le texte, mais je vais lui montrer les images. Ces images-là, si vraiment... Je vais juste lui montrer ces images-là. Excusez-moi, ceux qui ont leurs parents, regarde, Charles Wright, il faut regarder. Charles Wright. Il y a plus... Je vais te montrer beaucoup de photos. Moi, j'ai presque les photos de tous les soldats de la garde présidentielle tués. Et j'ai les photos de plus de 80 éléments de force spéciale. Charles Wright, si tu veux, là, je te donne ta vie. Je dis bien 80. Je dis bien 80 photos des éléments de force spéciale. C'est-à-dire les soldats qui étaient avec Doumbouya morts. Ce n'est pas tout le monde. Les autres, là, étaient totalement déchiquetés. On ne pouvait pas les ramasser. On l'a mis dans le plastique. Mais je peux te donner, Charles Wright, les photos. Je dis bien 80 personnes des forces spéciales morts devant ces couturières. Pas à l'intérieur même, à la rentrée, où les snipers les descendaient un à un. Je peux te les montrer, si tu veux, au nom de Dieu, Wallahi billahi ta'ala, nom à Sodeira. Photo par photo, corps par corps. Mirna Bin Tongo, c'est quelqu'un qui a pris toutes les photos. Aboré photo Tongo. Amuna Bin Tongo de A Tongo. Vous pensez que les gens n'ont pas les photos des morts, hein? Mamet Titou Doumbouya fait un compliqué, mais rien n'a photo et ça matoirement. Il n'a une. Il t'en y a toi-même le petit pro qui actuellement là qui est embrouillé par l'affaire de Santif. Contre Sanfina Diakité, le patron de Santif, le centre de traitement des données financières. Là. Comme tu es embrouillé par rapport à ça, là, tu es arrivé, tu es quitté d'un voyage, tu étais parti en Hollande, c'est pour acheter un véhicule et demander de l'argent pour supporter le procès du 28 septembre. La CPI dit qu'il ne te donne pas de l'argent. Arrivé à Conakry, au lieu de parler de l'échec de ton voyage, tu comprends? Au lieu de parler de l'échec de ton voyage parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, c'est venir raconter du fanfaronnage devant l'aéroport là-bas là, pour montrer que, hey, il faut dire à Doumbouya que mon voyage a échoué. C'est tout. Mais moi, si tu veux, je le dis devant le monde entier, Wallahi billahi ta'ala, je peux te remettre toutes les photos des forces spéciales mortes ce jour-là et puis te donner les photos de la garde présidentielle décédée ce jour-là. Quand tu vas faire la totalité, tu verras que on peut avoir les 200 morts, pas des civils, des militaires. Et tu sais, c'est sur le dos on peut mettre ce nombre de morts-là, c'est ce Doumbouya-là. C'est lui qui s'est levé, il a engagé la troupe dans un combat. Si, devant une justice réelle, je dis bien une justice réelle, comme a dit Sekouba, tu as vu la dernière sortie de Sekouba? Sekouba Konaté dit d'envoyer le procès à la CPI pour éviter la guerre civile à la Guinée. Il n'a pas menti. Sekouba Konaté dit Charles Wright, je demanderai une dernière fois d'envoyer le procès à la CPI pour éviter une guerre civile. Il n'a pas menti, mais pour éviter une guerre civile. Tous les jours, je le répète, je dis, les gens me donnent raison un jour. On dira, Benito avait raison. Lorsque les tirs vont commencer, ce ne sera pas des rebelles, hein, mais la guerre civile. Les miliciens sont dans les cours. Tamba n'a pas menti. Hein. C'est lui qui avait, comment il s'appelle là, Jacques Léoa. Il a parfaitement regardé miliciens dans toutes les cours des officiers supérieurs dans Conakry.
Ils sont armés par les officiers supérieurs parce que personne ne croit à l'autre. Personne n'a confiance à l'autre. Si tu veux, là, je peux te donner les photos, je te le dis. Mais je vais te montrer. Voilà, ça, c'est... Je vais te montrer, ça, c'est les gardes présidentiels. Ça, c'est la voiture principale du président Alpha Condé. C'est sa voiture, ça. Ça, c'est la voiture du président. Il y a plusieurs... Mais ça, c'est sa voiture personnelle. Mais ce que je voulais te dire, le véhicule d'Alpha Condé est rentré parce qu'il était occupé. Il est rentré le vendredi vers les 19h, 20h comme ça. Il est arrivé au palais. Samedi, il travaillait sur des décrets. Les décrets qui devaient sortir le lundi parce qu'il y avait beaucoup de décrets. Il rentrait d'un voyage avec le décès de la fille du docteur Kassouri. Donc après tout, il n'a pas eu le temps de faire, de signer les décrets. Il était en train d'étudier certains, de signer les décrets. Il avait trop de documents. Ceux qui ont préparé, le coup d'état a été préparé, même des officiers supérieurs guinéens étaient au courant. Donc, les gens qui ont préparé le coup d'état l'ont dit de partir. Il y a deux membres de la famille du président qui ont voyagé avant le coup d'état. Ils savaient qu'il allait avoir le coup d'état. Ils sont partis. Ils ont commencé par l'épouse du président, la faire quitter la Guinée d'abord. Ils ont commencé par l'épouse du président, Hadja Diéné, qui était partie en tournée. Hadja Diéné savait. Donc, les deux parents du Poissavre, son neveu, j'étais leur nom, savaient. Ils ont quitté le samedi. Ils sont partis. Donc le président, voilà, ce sont vu la voiture là. Voilà, ça c'est ta voiture, ça, c'est dans ça là, il roule. Même lors des voyages, sa voiture, sa principale voiture. Ça là. Et puis, je continue. Voilà, il est Moïba. Vous êtes venu mentir, vous avez dit que sa femme avait dit que c'est Alpha. C'est-à-dire que vous avez fait un montage. C'est-à-dire vous avez mis sa femme dans des problèmes. Même si elle est hors de ce pays-là. Vous avez mis sa femme dans des problèmes. Parce que la famille de mon grand frère là est très énervée contre sa femme. Vous avez dit à sa femme, à la femme de grand frère Yemouiba, de dire. Que Alpha Condé avait changé tout, avait diminué la garde présidentielle. Vous voulez donner une explication pour le coup d'état, pour dire que Alpha Condé lui-même est dans le coup d'état. Vous avez vu que cela n'a pas passé dans le Mandingue. Depuis le départ, les personnes les plus conscientes n'ont pas accepté cette thèse, dire qu'Alpha Condé connaissait le coup d'état. Même quand vous avez fait passer sa femme, vous avez vu, ça n'a pas passé. La femme dit non. C'est Alpha Condé lui-même qui ordonna qu'on diminue la garde présidentielle. Comment est-ce qu'un chef d'État qui n'est pas le patron de la garde présidentielle peut demander qu'on diminue la garde présidentielle? Comment est-ce qu'un chef d'État qui a demandé qu'on diminue la garde présidentielle peut refuser de démissionner si c'est lui-même qui a organisé? C'est-à-dire que vous êtes tellement bête. Comment est-ce que lui-même qui organisa le coup d'État contre lui peut se permettre lui-même en personne de refuser de signer sa démission? Pourquoi elle n'a pas, si c'est lui qui a organisé, pourquoi elle n'a pas démissionné? Nka ou le fa le mandé nka siyamaye. Nka si c'est Alpha Condé qui a organisé le coup, parce que Ola Daro. Pourquoi alors il n'a pas démissionné? Pourquoi Alpha Condé a dit dans une Afrique là, il dit je ne peux pas nourrir, habiller, rétablir beaucoup de parmi eux là, et venir me remettre une lettre de démission, je ne le ferai jamais. C'est resté comme ça. Ou bien, tout le monde le connaît, c'est lui qui tenait la valise du président. Kourouma, il est de Kérouani. Là où il est comme ça, moi-même, j'ai pris une photo ici, là, à Kérouani. C'est lui qui tenait, regardez-le très bien, c'est quoi. La valise du président, partout, il était tout le temps juste à côté du président. Charouette, ça là, c'est mon ami, Antoine Malano. Il a tellement de la chance, il venait juste de rêver d'une autre formation. Je vais te montrer les photos, Charouette. Je vais te montrer beaucoup de photos, si tu as la mémoire courte. Lui là aussi. Charouette, regarde. D'accord. Je continue. Regarde. Si tu veux là, je peux te montrer beaucoup de photos. J'ai toutes les photos. On va aller dans le lot des forces spéciales. Si tu veux là, je te montre toutes les photos. Toutes ces morts là, tu mets ça dans le compte de qui? Tout ça là, tu mets dans le compte de qui?
dans le compte du professeur Fakonde ou bien dans le compte de Doumbouya. Le document des Américains qui sont sortis là, vous avez vu, est-ce que ça fait effet? Parce que le rapport là sort chaque année. Le rapport là, concernant le procès à Fakonde, concernait les tueries, les massacres, les tueries pendant les manifestations. Mais tu sais qui était à la base de ces répressions-là? C'était les mêmes Doumbouya là, les Bala Samoura là. C'était les mêmes personnes là qui étaient à la base des répressions. Les mêmes personnes là. Respect à toi. Merci beaucoup, mon frère, mon bel Alim Traoré. Respect. Merci beaucoup, mon frère. Merci, grand. Qui était à la base? C'était eux-mêmes. Je te montre encore. Attends. Parce que j'ai l'impression, attendez, j'ai l'impression que tu veux pas comprendre. Je vais te montrer une photo spéciale, là. Je vais te montrer la photo de quelqu'un. Allez-y, regarde toutes les vidéos du pont. Regardez Sangaré, Savané. Regarde le jeune Savané, vous l'avez vu? Charlotte, regarde le jeune Savané là. Lui là. C'est Doumbouya qui l'a. Lui là. Doumbouya, lui là. Tu sais qui l'a exécuté? Regarde le Charlotte, lui là. Je connais bien son histoire. Regarde-le très bien, Savané. Regarde-le. Tu as vu Savané là? Je vais te dire qui l'a tiré dans sa tête. Parce qu'il n'était pas mort. On m'a expliqué l'histoire de Savané, ce qui est arrivé à Savané. Lui, il n'est pas mort. Il n'était pas mort. Je vais expliquer. C'est-à-dire, Savané, quand ils ont pris le procès à Fakonde, il n'était pas habillé. Le procès à Fakonde n'était pas habillé. Il était en petite culotte comme ça. Le procès à Fakonde a refusé de s'habiller. Parce que, non seulement, il fallait montrer le procès à Fakonde pour calmer les réactions parce que ça tirait au dehors. Il fallait précipiter l'habiller, montrer son image pour démoraliser la troupe. Parce que vous savez très bien que ce n'était pas un complot organisé. C'est-à-dire, ce n'était pas tout le groupe qui était avec vous. Quand vous dites que c'est l'armée qui a pris le pouvoir, je voulais juste dire ça au gars là, comment il s'appelle là? Moussa Moïse qui dit que c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Peut-être l'histoire de Savané peut rafraîchir votre mémoire. Lorsque vous avez pris Alpha Condé, il était avec le président. Il était avec le président. Il a refusé que vous brutalisez le chef de l'État. Voilà pourquoi un jour la Guinée doit rendre hommage à ces gens-là. Moi j'ai dit, si Alpha Condé n'a pas signé sa démission, c'est à cause de ces morts-là. Parce que les enfants là l'ont défendu jusqu'à la dessous, tout Savané. Il dit, ne le brutalisez pas. Parce que lui, lui aussi, il est taekwondo comme le jeune forestier là. Voilà. Et qui l'a tué? C'est Diané qui a exécuté Savané. Diané. Ce n'est pas une autre personne, je vous le dis. C'est Diané qui a exécuté Savané. Diané que j'avais tué là, c'est lui qui a exécuté Savané. Il dit ne le brutaliser. Le voilà lui là. Charlotte, regarde très bien. Regarde, c'est Diané qui l'a exécuté. C'est Diané qui a exécuté Savané. Parce qu'il a dit de ne pas brutaliser. S'il ne veut pas s'habiller là, vous ne pouvez pas le forcer à s'habiller. Parce que lui savait que le coup d'être consommé, il savait qu'il allait mourir. Il dit ne le brutalisez pas. Il dit oui, parce que c'est un taekwondo. L'autre là le connaît bien, comme Michel. C'est Michel Lama ou quoi là? Michel Lama le connaît très bien. Michel Lama le connaît très bien. C'est quelqu'un qui est entraîné comme lui en taekwondo. Il dit ne le brutalisez pas. Et en ce temps, il voyait Kalebas était déjà mort. Kalebas était. Sa tête était. Kalebas, tout ça était gâté. Kalebas était foutu. Il était couché. On m'a expliqué tout. On m'a expliqué la scène. Comme lui, la vie, Kalebas est mort. Il n'avait plus. C'était quoi? Son ami est mort. Kalebas est mort. Kalebas s'est couché. Tout ça là, c'est gâté. Il va dire quoi?
Et puis vous voulez Imioni, non, bien vous, vous devez passer à la télé. Alpha Condé ne peut passer à la télé nue parce que je vous dis ce que les gens ne savent pas. Vous avez voulu faire passer le président à la télé nue. Parce que vous avez dit, si il refuse de s'habiller là, vous allez le faire passer nu à la télé. C'est cet homme-là qui a demandé au président d'accepter de s'habiller. Après ça, il n'était pas mort, vous l'avez exécuté. Charlotte, ils l'ont exécuté. J'ai dit, un jour là, vous allez dire la vérité. Vous pensez que les gens là vont mourir comme ça et nous allons nous asseoir. Et puis vous regardez. Je dis tôt ou tard, ce n'est pas Doumbouya seulement. Hein. Tout ce que vous voyez autour de Doumbouya là, ils sont plus criminels que Doumbouya même. Tous ceux qui sont autour de lui là, ils sont plus criminels que lui-même. Parce que ce n'est pas une autre personne. Quand vous avez fini, comme la scène s'est passée devant lui, vous l'avez exécuté, Charouette. Je te dis, ils l'ont exécuté, ils l'ont tiré sur lui. Dernier a tiré sur le petit Savané. Ça dit ça, il l'a exécuté directement. Moi, je peux dire, et je le confie, c'est à cause de ça, là, le prince Alpha Condé a refusé de signer sa démission. Fumba, comment vas-tu? Totalement refusé de signer sa démission. Adi Fumba, comment vas-tu? Eliak Chanter, mon jeune frère de sang, comment vas-tu? Nickel, dans la terre. Donc, Charouette, ça dit, j'ai pris mon temps sur ça, c'est pour te dire que ton problème de crime de ça là, moi, Benito, je ne suis pas pressé. Qui est pressé? Qui pensait? Bien sûr, il y a eu le tuerie de 28 septembre. Mais est-ce que qui savait? Avec le projet du procès Alpha Condé, que Dadis allait être devant comme ça, Dadis allait s'arrêter comme ça, devant un tribunal comme ça, en train de trembler. Dadis peut s'arrêter comme ça, en train de trembler devant un tribunal? Non. Mais aujourd'hui, il est arrêté. Regardez sa voix. Donc, Charouette, je t'ai dit, contacte-moi, comme tu as tous nos numéros. Ton gars là, il a quitté le... Celui qui est chargé de s'occuper de nos comptes là, il faut dire à Diakité de nous mettre en contact. L'arnaqueur là, le gars là que tu as pris pour attaquer nos comptes là, il faut lui dire de rétablir le contact entre nous. Je le juste le Saint-Coran. Wallah Bilata, je suis prêt à te transférer toutes les photos des éléments des forces spéciales. Toutes les photos, ceux qui sont morts, je te donne les photos. J'ai pour 80 personnes, je dis 80 personnes. J'ai toutes ces photos-là. Je ne voulais pas m'amuser avec les photos, mais je te les donne gratuitement. Et puis, tu vas regarder les photos des forces spéciales. Tu vas regarder les photos des éléments des forces spéciales et tu vas apprécier entre Doumbouya et Alpha Condé qui doit répondre des crimes de sang. Je te laisse le jugement. Quand tu vas regarder les corps-là, je ne parle pas de la garde présidentielle, je parle des éléments de lui-même Doumbouya. Regarde le corps et puis analyse. Le hacker, oui Gabi, le hacker. Il faut dire à Diakité, le hacker, là, de te donner mes références, parce qu'il a des références. Voilà, c'est que lui ne sait pas là. Moi là, je n'ai pas mon numéro, mais j'ai mon WhatsApp. C'est à travers, il m'a envoyé une invitation, ça fait longtemps. Donc c'est à travers le WhatsApp qu'il a pu entrer dans nos données et rendre flou nos images et puis attaquer le compte de nos abonnés, ceux qui nous suivent là. Réduire la visibilité, il n'y a pas de problème pour ça, ce n'est pas important. Mais Dieu a fait que, il y a certaines personnes qui font les montages de nos vidéos, d'autres arrivent à voir la vidéo dans d'autres montages. C'est l'essentiel. C'est pas vu, on cherche, mais en tout cas, ce n'est pas vu, je cherche. C'est que ma communication passe. Donc, si tu veux les photos, là, je te les donne. Et je profite de l'occasion, souhaiter prendre l'établissement à mon oncle Damaro. Parce que je ne vais pas parler de ça jusqu'à insulter maman et papa des gens. Mais l'homme qu'on appelle Damaro, Assemblée nationale, il a des enfants, des petits-enfants. Uniquement parce que vous avez des griefs, parce qu'il a renouvelé les instants, les bâtiments de l'Assemblée nationale. Le projet de construction de la nouvelle Assemblée nationale. Le reste de l'argent était à la Banque centrale. Non seulement vous avez utilisé le reste de l'argent, mais vous le gardez pour dire qu'il a gonflé les dépenses. C'est lui qui est malade, souffrant aujourd'hui. C'est comme ça, Louceni aussi était notre frère Louceni. Vous vous en prenez à une communauté, je dis bien, les Konyanké.
Vous en prenez parce que c'est un cognanqué. Louzéni était un cognanqué. Kourouma est là-bas aussi, c'est un cognanqué. Je le répète, ce sont des cognanqués. C'est notre ethnie. C'est lui aussi, peut-être, on ne le souhaite pas. Damaro est malade, il est très malade. Mais, n'oubliez pas, hein, si quelque chose arrive à ce monsieur-là, je ne dis pas autre chose, mais si quelque chose arrive, je ne le souhaite pas, c'est notre oncle, notre père. Je le souhaite longévité, santé, prospérité, mais wallahi, ce que vous pouvez donner à un prisonnier désarmé, il n'a pas d'armes, il n'a rien, c'est de le traiter. Mais si vous refusez, Charles Wright, toi qui brandis souvent le mot de mandat d'arrêt là, voilà quelqu'un qui est devant toi, qui est malade, qui a besoin d'évacuation. Vous avez tous ces documents, passeport, tout, c'est avec vous. Il suffit de l'envoyer, le traiter. Mais comme vous savez que vous n'êtes pas légitime, vous envoyez quelqu'un à l'étranger, il peut rester, il peut demander l'asile ou autre chose, peut-être c'est ce qu'on vous a dit. Mais lui, il est malade. Il est malade. Si quelque chose arrive à Damaro, vous allez le regretter toute votre vie. Je vous le dis, je ne dis pas une autre personne. Je dis bien Damaro là. C'est le symbole de Konyanké. Damaro là, ça dit c'est l'inspiration de toute la communauté Konyanké. Ça dit c'est le baobab, ça dit c'est notre référé. Pour rien au monde, nous ne pardonnerons la mort de Damaro à quelqu'un. Pour rien au monde. Même fils, même, ça dit, vous allez enlever tous les bœufs du monde, demander pardon. Je ne vais pas perdre mon temps le concernant. Damaro, ça dit, Damaro, c'est notre vie. Quand tu dis Konyanké au Libéria, quand tu dis Konyanké au Libéria, tu dis Konyanké en Côte d'Ivoire, tu dis Konyanké en Guinée, c'est notre référence. Celui qui a refusé qu'on mette la barrière entre Konyanké et Mania, parce que c'est la même chose, c'est lui. Il y a une route chez nous là, c'est lui qui a... La population a demandé qu'on fasse la route là, c'est lui qui a envoyé Bible Désert. Ils ont gratté la route là, lui Damaro, à Massanta. Et en même temps, le père d'Amara a été l'homme fort, l'homme de confiance de l'ancien raconté. Il n'a jamais mis même quoi dans notre... Je ne vais pas perdre mon temps concernant mon oncle Damaro. Mais si quelque chose arrive à Damaro, ça dit, Aïda Foka et Mala Oulama, on dit en Konyanké là, ça dit, Aïda Foka, mon Mala Oulama, ne le kafayana. Vous ne comprenez pas ça, hein? Quand on dit en Konyanké, Ningi Mina, Ninga Turo, Nika Menge, mais à Kofé, mon long. Alors, il y a la trala, il y a un homme à coffre. Mais à coffre, quand on te dit ça en Konyanké, il faut laisser l'affaire là. Vous n'avez pas dit que vous avez la courte mémoire. Vous ne direz pas que vous ne connaissez pas cette ethnie. Même le général Lance raconte a eu respect et considération toute sa vie contre, pour nous. Respect et considération. Mais prenez ça. Hein, blaguez avec Damaro. Prenez-le, faites comme un chiffon, faites comme ce que vous voulez. Vous pensez que pour le grand frère, l'océan est passé. Nous avons ça dans notre cœur, ça est là. Il y a Kourouma qui est, Kourouma aussi est cognac, il est couché là-bas. Kourouma est malade. Mais vous n'avez rien compris. Même au Libéria, là, même en Côte d'Ivoire, les gens ont respect pour notre ethnie. Connaissant notre caractère, on ne trahit pas. Quand on dit on est avec toi, là, on est avec toi, on ne change pas. Ça, c'est dans la culture, on a ça dans notre tête. Quand on veut de toi, là, on est derrière toi, aveuglement derrière toi. C'est à cause de tout ça, là, on ne court pas derrière quelqu'un. On va doucement, mais quand on te met dans notre cœur, là, regarde toute la garde présidentielle de Port Alpha Condé. 90% étaient des Konyankés. Toute la garde présidentielle d'Alpha Condé, presque, c'était des Konyankés. Après le sous-sous. Vous avez une courte mémoire, non? Il n'y a pas de problème. Vous allez apprécier que quelque chose arrive aux vieux. Ok? Thank you, Big Brother Abouké. Je vais terminer par le ministre Yero Baldé.
Hier au bardement, je vais te dire quelque chose. Hier au bal, le ministre, hier au bal, je vais te dire quelque chose. Dans ce pays-là, tout le monde a le droit de créer son parti politique. Moi, je l'ai dit hier, ce que c'est entre ceux qui disent qu'ils sont du RPG et puis ils supportent. Ah, non, nous sommes du RPG, mais nous allons supporter Doumbouya un peu. Le problème entre eux et nous, là, nous avons été très clairs. Soit tu es du RPG, parce que nous ne supportons pas Doumbouya, nous ne sommes pas avec Doumbouya. Mais dire que tu es avec le RPG, mais on va aider Doumbouya, ça tu n'es pas du RPG. Ministre Yero, vous avez quitté le RPG, vous n'êtes pas du RPG. Ministre Yero Baldi, vous voulez créer votre parti politique, je suis d'accord avec vous. Vous êtes un citoyen guinéen, vous êtes libre. Mais utiliser le nom du RPG là pose problème. Parce que le RPG là est structuré, est organisé, il y a une direction centrale, il y a un service qui s'occupe de l'administration, tout est là. Le professeur Fakon en est le président. C'est lui qui avait ordonné de délire une direction provisoire dont Dr Kassori est le président. Donc, ministre Robaldé, vous étiez à Koya tout récemment là, vous êtes avec la base de la jeunesse. Vous dites que le procès à Fakonde vous supporte, vous n'êtes jamais en contact avec lui. Moi, je peux citer les noms des personnes qui communiquent avec le procès à Fakonde, mais ce n'est pas important. Je peux te les citer. Des personnes qui parlent au téléphone avec le procès à Fakonde. Je peux te donner trois noms, si tu veux. Trois noms, tu me comptes, tu donnes les noms, tu les demandes. Chaque semaine, le procès à Fakonde parle deux ou trois fois avec eux. Toi, tu dis à la base là que le procès à Fakonde te soutient. C'est les mêmes imbécilités là que Saïdou Touré a appris. Des imbécilités que Saïdou a appris. Mohamed Saïdou Touré pour dire que lui, il ne quittera la tête de l'inspection. Lorsque Alpha Condé va donner une note, on a demandé à son supporter, un fanfaron qui était dans Djouma, montrez-nous le document. Le document où c'est notifié que Mohamed Saïdou Touré est l'inspecteur général. Au-delà de ça, montre-nous un document où c'est écrit que l'inspection générale existe. Parce que le jeune journaliste là, lui-même il sait que le poste là n'existe pas. C'est que j'ai aimé ce journaliste là. Le Djoma FM là, il a son sang froid, il garde beaucoup son sang froid. Même quand il est interrogé maître Silla là, il avait son sang froid comme ça. J'ai compris ce Koudamaro, j'ai compris. Donc, je dis bien, ce sont les mêmes imbécilités là que le gars a appris parce qu'il sait que le professeur Fakonde, il dit qu'il ne va pas réagir actuellement là. Il y a beaucoup de raisons qu'il ne réagit pas. Parce qu'il ne veut pas dire quelque chose pour perturber les actions, les activités négatives ou positives de la CEDEAO. S'il n'y a pas quelqu'un, je vais te donner le nom d'un chef d'État dont l'ambassadeur passe dire bonjour au professeur Fakonde avant d'aller à son service. C'est l'ambassadeur du Tchad. L'ambassadeur du Tchad, là, en Turquie. Tous les jours, l'ambassadeur du Congo, ça, dans la semaine, il peut passer deux fois voir le professeur Fakonde. L'ambassadeur du Congo, en Turquie, Congo-Brazzaville. L'ambassadeur du Tchad, il est tous les jours sur le professeur Fakonde. Il dit bonjour, c'est des ordres donnés. Tu passes, il dit bonjour avant de partir. S'il n'est pas réveillé, attends. Ça, c'est, il faut vérifier cette information. C'est moi qui te la donne. Vérifie. Ça, c'est des petites choses. Tu as vu le président Ablaïwad. Il faut dire, va voir la vidéo. Comment Ablaïwad est arrivé. Qui a envoyé Ablaïwad au domicile du président. Si ce n'est pas l'ambassadeur du Congo. N'importe quoi. Je vais te dire quelque chose. C'est les mêmes choses que tu avais fait pendant la campagne. Les mêmes choses que tu as fait pendant la campagne. Tu as accompagné le RPG en basse-côte, quelque part là-bas. Là. Tu as levé l'écharpe qui a tenu dans ta main comme ça. Et puis le lendemain, tu as écrit une lettre de démission. Mais tu dis qu'Alpha Condé, c'est ton père. Mais moi, mon problème, c'est utiliser le nom du RPG qui pose problème. Chacun est libre de créer son parti. Est-ce que vous comprenez? Mais venir, Mohamed Chérif, il faut quitter sur ma page. Hein. Je te connais très bien. Je n'ai pas envie d'être désagréable aujourd'hui.
Ok? Je te dis, Mohamed Chérif, je prends tout le monde en témoignage. Si tu réécris là-bas une seule phrase, je vais d'abord insulter tes parents avant de te bloquer. Parce que je te connais très bien. C'est ça même mon grand frère Mohamed Diawara. C'est ça. Donc, ministre Yero, vous êtes libre de partir. Parce qu'au départ, vous avez cru que le RPG là allait mourir. Tout le monde, il n'y a pas. Ceux qui ont cru au RPG là, c'est eux qui sont en train de diriger le RPG. Tous les jeunes qui ont cru au RPG là, c'est eux qui sont en train de gérer le RPG actuellement là. Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont pensé, ceux qui n'ont pas l'aptitude d'échec. Parce que ceux qui sont au RPG sont habités à l'échec, pas à l'échec politique seulement. Ils sont habités aux échecs. Donc quand il y a eu la chute du procès à Fakonde, les gens ont gardé leur sang-froid, ils sont restés avec le parti. Ils sont là-bas, hein. Vous qui êtes impatients là, vous qui êtes, je ne sais pas comment, beaucoup sont partis, les Amadou Doumbouya, les autres là, qui est Sonap, les dames, la chef de cabinet, tout le monde est parti. Maintenant, vous avez vu que ça n'a pas marché. Vous avez vu que tout ce que vous avez voulu là, Dieu n'a pas fait ça. C'est un parti béni, un parti structuré. Merci beaucoup mon frère Sissé Mamadi, merci beaucoup. Il faut le laisser. Donc, aujourd'hui, vous avez vu que le RPG là tient, le RPG, c'est-à-dire le RPG, c'est comme si Alpha Condé était à Conakry. C'est comme si Alpha Condé était là. C'est comme si Kassori était là. Sinon, comment comprendre que Kassori est en prison? C'est Damaro qui est malade comme ça. Kuruma, Oye, tous les piliers là sont en prison. Mais vous avez vu quelqu'un céder? Vous avez vu quelqu'un céder? On ne cède pas. Ou bien vous avez vu, quand vous me regardez comme ça, vous pensez que je suis fatigué? Nous avons tellement eu de déceptions dans le RPG, mais est-ce que quand vous me voyez comme ça là? Hein? Quand vous me voyez comme ça là, vous pensez que je suis découragé? Comme le salaud là, Mohamed Chérif, des gens qui n'ont pas de dignité? Donc il faut créer ton parti. Yero Baldé, crée ton parti. Tu as vu ce qui est arrivé à Siaka Barry. Siaka Barry a entendu un mot là-bas, il est découragé. On dit, toi tu ne connais pas, hein, tu ne connais pas. Ils ont dit à Siaka Barry, ce que Siaka a entendu, il faut demander à ton frère Siaka Barry. On dit, même si, il faut demander à Siaka Barry. Vous êtes des traîtres, c'est votre groupe ça. Respect à toi mon frère de Samamoud Silla. Big respect, vraiment, je voulais te rendre hommage. Merci pour le job des deux jours là. Tu as été excellent, franchement. Merci beaucoup d'avoir mis Charles Wright à sa place. Je te respecte, mon frère, depuis la Grèce. Respect, je salue mes enfants, mes filles. Respect à toi, big respect à toi, Mamoudou Silla, mon frère de sang. Donc, ministre Yero Baldé, nous, on ne dit pas à quelqu'un de ne pas créer son parti politique. On ne le dit pas, hein. Mais utilisez le nom du RPG parce que le Poste Afakou est le seul patron du RPG. Le seul. Et puis il n'a pas d'abord démissionné. Mais faire des imbécilités au nom du RPG, c'est ce que nous allons combattre. Parce que Afakou n'a jamais dit à quelqu'un, je suis du RPG, mais je vais aider Doumbouya. Vous pensez qu'on ne sait pas ceux qui partent voir Doumbouya la nuit? Il faut demander à Siaka Barry ce qu'ils ont dit là-bas. Il faut demander à Siaka Barry. Fula et Fula le dit. Le mot là l'a beaucoup fait mal. Il faut demander à Siaka Barry. Ok? Si toi tu veux créer ton parti politique, il faut te battre. Mais ne dis pas que le Poste Afakonde me soutient. Afakonde t'a dit ça quel jour? Des menteurs comme ça là. Portez-vous très bien. Là, vous avez fait que la vidéo a été très longue. Et le RPG là, je dis, nous, c'est-à-dire vous ne connaissez pas ce qui est entre le RPG et nous, vous ne connaissez pas. Voilà. Il y a des gens là, même s'ils n'ont rien, ils ont zéro frère avec le RPG, ils sont dedans. Nos mamans sont là-bas, nos frères, nos tontons sont dans le RPG. Tous les yeux sont au siège. Ils n'ont rien obtenu. Au même moment, les imbéciles des ministres, des petits ministres qui sont en train de nous tirer derrière aujourd'hui, des petits ministres qui ont passé tout le temps à voler, des petits ministres qui ont passé tout le temps à nous empêcher de réussir, ils sont là-bas, qui aujourd'hui veulent créer un club pour dire que non, c'est pour, quoi appelle ça, le RPG, c'est un héritage malinqué, c'est rentré sorti comme ça. Ces petits ministres-là sont là-bas, mais tu as vu, ils n'osent pas aller au siège parce que les personnes les plus honnêtes, les plus stables dans la tête,
vont au ciel là-bas, ils sont là-bas. Les gardiens du temple, ils se trouvent là-bas. Il faut aller demander à Siakabal ce qu'ils l'ont dit. David est sorti, depuis qu'il est parti, il est là-bas. Depuis qu'il a pris les premières montagnes, les faux, je ne sais pas comment, deuxième ou troisième, quand il a pris son argent, il n'est pas, il est en vacances. Jusqu'il est en vacances. Portez-vous très bien, des imbéciles comme ça là. Je te le dis ça. C'est interdit, disait l'un des plus arc-en-ciel. Moi, je vais terminer par le mot là, qui me plaît beaucoup. Comme moi, Benito là, je sais, et Damaro aussi, je sais que Mamoudou c'est comme ça. Matou c'est comme ça. Tous ceux qui connaissent la poutre, nous sommes des enfants. On sait que ce sont les partis politiques qui donnent les députés. Nous savons que ce sont les partis politiques qui donnent un président de la République. Nous savons que ce sont les partis politiques qui donnent un maire. Tant que nous sommes patients. Vous comprenez? Si vous savez que vous êtes populaire là, vous êtes des gens compétents. Pourquoi pas créer votre parti? Faire comme les autres. Mais vous voulez créer votre parti, dire que c'est le RPG qui... C'est le RPG qui me supporte. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le RPG, nous connaissons notre chef, le premier secrétaire du RPG là. Le premier boss, c'est Salom Sissé. Vous n'osez pas l'attaquer parce que vous connaissez son parent direct, c'est Idi Amin. L'enfant, merci beaucoup Condé Junior, mon grand, merci. Les enfants directs, c'est ça même mon frère Condé Junior. Tu as vu ce que Doumbouya a entendu dire. Doumbouya dit que le professeur Fakonde veut le faire un coup d'état. C'est ce qu'il dit, que le professeur Fakonde veut lui faire un coup d'état, selon le service de renseignement français. Le document est avec moi. Le document est là. Si tu veux, je t'envoie le document. Mais le parti là, ce qui me plaît, nous allons vivre longtemps. Parce que les enfants sont plus solides, plus constant, plus dynamique que les sages. Et ils sont vieux maintenant. Tu as vu le papa Salom, si c'est les malades, il est fatigué. Mais quand tu t'en vas là-bas, quand tu regardes, tu as vu Bantamasso, l'enfant spirituel de Professeur Fakonde. Tu as vu El Komara, le secrétaire administratif. Lui, il a travaillé, il n'a pas travaillé, il est au siège. Il travaille tous les documents. Tous les documents. Aujourd'hui, Alpha Condé qui est président là, l'imbécile dit qu'il veut lui faire le coup d'état. On dirait qu'il est chef d'état. Il ne connaît pas. Donc portez-vous très bien. Merci. Hier au Balde, tu as averti. Tu sais, vous êtes des gens qui n'aiment pas qu'on dise vos noms sur la toile. Donc tu fais un billet de faire profil bas. Il faut demander aux autres petits ministres là, des ministres qui sont en train de nous fatiguer, des ministres malhonnêtes. Ils sont là-bas. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont utilisé les enfants, des enfants pour nous attaquer, des enfants pour attaquer la direction provisoire qui ne sont pas légitimes. C'est rentré, sorti comme ça là. Mais comme lorsque la direction a été élue, Alpha Condé était à Conakry. Personne n'a soulevé ces tentacules là, ces testicules pour aller demander à Alpha Condé là où il était là pour dire: ah, ils ont fait l'élection du bureau provisoire là. Nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous n'êtes pas partis?